Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur Le Figaro TV. Et comme tous les jours, on va ouvrir notre émission avec une page de notre actualité. Notre dossier du jour est consacré aux municipales parisiennes en prévision de 2026. C'est officiel, Anne Hidalgo ne briguera pas de troisième mandat. Elle laisse sa place à Rémi Féraud, qu'elle place en candidat naturel pour lui succéder. Une annonce qui bouleverse le jeu politique en cours alors que les premières études l'a donné battue. Rémi Féraud a-t-il une chance de devenir le futur maire de Paris? A-t-il le soutien de la gauche parisienne? Quel impact sur les autres candidats déclarés ou à venir? Quel avenir pour Anne Hidalgo? On répond à toutes ces questions dans une minute en plateau. En culture, l'histoire de la construction de la Tour Eiffel. Vous connaissez par cœur sa silhouette dans le cœur de Paris, mais connaissez-vous son histoire? Les Archives nationales y consacrent une exposition. Ça sera tout à l'heure dans notre page culture. De l'éco et de la conso, enfin, avec UFC Que Choisir. On s'attaque cette semaine à la fracture sanitaire en Ile-de-France, premier désert médical, vous le savez, avec des chiffres toujours plus inquiétants. Ça sera en fin d'émission. C'est parti.